Un témoignage à présent au micro d'Europe 1 de Martin Lange, le témoignage d'une gymnaste, une ancienne gymnaste de l'équipe de France qui a décidé de prendre la parole pour témoigner et donner un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire, parce qu'elle a été harcelée pendant ses entraînements, notamment ses compétitions, notamment par l'encadrement. On écoute Clara Della Vedova. Je me suis dit que c'était une très bonne chose pour les générations futures ou même celles qui sont à l'entraînement à l'heure actuelle, parce que en fait ces méthodes d'entraînement sont déjà, elles sont contre-productives, et en plus de ça elles peuvent briser des carrières et des vies, parce que nous sommes avant tout des jeunes gymnastes, des jeunes filles en construction, parce qu'il faut savoir que nos carrières de gymnastes, ça se fait entre 15 ans et 18 ans, donc pour la plupart des filles. Et subir ça à nos âges, en fait, c'est pas possible. Donc 10 ans après, j'ose parler, j'ose prendre la parole, et c'est avec plaisir que je le fais. Alors, vous parlez de ça, qu'est-ce que vous dénoncez concrètement? Qu'est-ce que vous avez subi? Alors moi, c'était des violences psychologiques. J'appelle ça violence parce que en fait, je me rends compte maintenant, après plusieurs années, que ce qu'on m'a fait subir comme critique, ben en fait, c'est pas normal. C'est des insultes, c'est des comparaisons à des choses qui ne devraient pas. C'est des insultes sur notre physique, sur notre poids. Alors qu'on est des jeunes filles de 15 ans, qu'on est on est en pleine croissance, forcément on commence à avoir quelques formes de jeunes femmes, donc voilà, même si ça reste très 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 minime, parce que on est dans la gymnastique et que forcément, avec le nombre d'heures d'entraînement qu'on avale par jour, et ben notre corps il est ralenti au niveau de la croissance, en fait. Désolé de vous demander ça, mais vous avez des exemples concrets de mots que des entraîneurs ont pu avoir contre vous? Alors, sur mon physique, on m'a déjà fait des remarques telles que « Quand est-ce que tu vas arrêter de grossir ?» ou alors un message le soir à 22h en pleine semaine tel que « Vous êtes privé d'entraînement parce que vous êtes en surpoids et que c'est dangereux pour votre santé. » Ensuite, au niveau violence psychologique, ça peut être, enfin c'était des remarques telles que vous êtes des chèvres, vous êtes bonne à rien, vous, enfin voilà, des choses comme ça, mais t'es autiste, tu comprends rien, enfin ça, c'était il y a une dizaine d'années, donc j'ai quelques mots qui me reviennent, mais c'est très peu par rapport à ce que j'ai subi, je pense. Et vous avez arrêté votre carrière sur une blessure, c'était juste avant les Jeux de 2012, je crois, et vous dites même que ça a été une libération pour vous. Alors ça a été une libération parce que en fait, toute cette année-là, pré-olympique, on n'a pas arrêté d'enchaîner les compétitions, donc les championnats du monde, le test event, les qualifications pour les Jeux olympiques. Et on n'a pas eu une seule semaine de vacances, de repos, ne serait-ce que pendant cette année-là. Donc mon corps, il était à bout, je pense. Et notamment à cause de la pression psychologique qu'on nous mettait, mon corps m'a lâché, en fait. Simplement. Et ça m'a fait une sensation de soulagement quand on m'a annoncé que je m'étais rompu le tendon d'Achille à l'INSEP. J'ai eu comme un soulagement. D'un coup, je me suis dit, ça y est, enfin, c'est fini. Alors, la ministre Amélie Oudéa-Castéra a réagi juste après la diffusion du reportage hier. Elle a dit qu'elle allait ouvrir une enquête. Qu'est-ce que vous attendez maintenant que vous avez pris la parole? Alors, on attend que, bien évidemment que des mesures seront prises, comme libérer la parole, faire comprendre aux jeunes gymnastes qu'il y a des gens autour d'elles qui peuvent les aider et qu'il ne faut pas hésiter à en parler si jamais à l'entraînement elles subissent des violences psychologiques ou physiques. Et bien évidemment que, en fait, la fédération prenne en considération le fait de choisir les bons entraîneurs, le bon encadrement pour travailler dans des conditions sereines et de confiance qui permettent aux gymnastes de
de pouvoir réaliser leurs rêves dans des bonnes conditions et pas, pas en étant, en ayant la pression sur elles et en subissant des violences pareilles. Le témoignage fort, choc, vérité de Clara Della Vedova, ancienne gymnaste de l'équipe de France, au micro de Martin Lange.